et de façon que mon tour est si cool. Voilà. On a des tours, on a dit pas de raison du président, vous jouez à Mali. À ça, on attend, on attend, on a mis le match à la Kimou qui nous est là. Vous savez, on dit bien là, on a dit bien là, on a dit bien là, train d'attendre l'arrivée du catcheur Postolo, Postolo et Baba Aka Junior, le fils du fait Postolo. Et d'abord, c'est la musique de Jibi qu'on a dit d'entonner. C'est Jibi qui va venir en premier. Là, Jibi, quand on a entré à Kwanza, Dieu a eu le combat final na Postolo, Wangambo Kasai, Injo final. Il y a eu le combat pour l'épaule, en tout cas, combat. Et t'as quoi bouton mon moufale? Le combat sera beau, hein? Beau. Même pas bon, mais beau. Un wow. Beau combat. Et nous, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi, voici l'arrivée du champion Bobola, le technotacticien, le patron de la frappe, le léopard, le gemelipard, le vieux Jean, le chrétien catholique. Et c'est Moulozi qui a un sac, hein? Oui. Qui a un sac. Moufalme ne doit pas aussi exagérer. Hein, Moufalme, tu exagères. Tu as des penchants. Hein, on dirait que tu es un agent de Jibik. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il s'appelle champion Bobol? Bon, ça c'est. Il n'est pas le seul. Marteau aussi. Il y a quelqu'un qui s'appelle champion Bobol à part lui. Marteau aussi est Bobol. Il n'y a que lui qui est le grand frère. Il y a des gens qui tapent les gens ici. Il n'y a pas le seul à taper les gens. Vous êtes jaloux? Non. Chacun. Non, tu exagères. J'exagère quoi? Tu exagères? J'aime qu'on le présente comme ça, même à la W. Or, il a qu'à exagérer. Parce que vous êtes bon à la pique à la houe. Vous les autres à la pique à la botte. Ça. Voilà. Donc, bienvenue, Kamunga. C'est lui qui a des penchants. Parce que nous sommes en train de vanter le catcheur selon ce qu'il est. Oui. Voilà, il mérite ses hommages. Yeule, on a quoi déjà eu le ringa? Ya siatosha mabori ya mingi sana banesha kuifuchika njo. Wakati atapika mupanga, itakuwa ni plein full. Kama même félicitations leo ka discipline. Ke kwa kwa munani. Mustad Foyen Social Katuba, merci beaucoup kwa secrétaire particulier honorable Vital Sunzu, DG pilote Nkulu. Voilà, moi le tout. Félicitations à l'ingénieur Cédric Cheto Kapia, Sa Majesté Popolik Piana, Pasteur Josué Kabongo Banza. Oh, cité vas-y pour Jacob. Ah, regardez Jibika, il est en train de prier. Le combat est difficile. Le combat ne sera pas facile. Ouais, ouais, le combat est difficile. Ah, mais faut on les voit comme ça. Et on attend l'arrivée de Postolo Abaka. Postolo Abaka, qui est en train de venir. Tu m'en as mis des combats. Voici l'arrivée, mesdames et messieurs. Postolo Babaka est en train de venir. Il a demandé à Mwana Mama d'apporter la statuette. Oui. Il s'appelle Mbouyi Junior. Il avait dit Jibik na Samouari. L'homme de Mwankwadi. Il a apporté une chèvre, une croix la et chèvre, une statuette. La chèvre de M. Postolo. Moi je pensais que c'était la chèvre de M. Sagué. Donc on est venu avec Mbouyi. La chèvre de M. Postolo. La chèvre de M. Postolo, mesdames et messieurs. Il s'appelle Mbouyi. Lui-même, c'est un jumeau. Il est aussi. Gemelipard. Ah, Jibi qui veut descendre. Ah, Jibi qui descend. Il descend déjà. Ah, il veut commencer. Non. Non, il faut laisser, non, il faut le laisser faire. Mesdames et messieurs. Il faut laisser faire ses incantations. Ah, il commence allez. Déjà. Il commence déjà. Ça commence déjà, il dit monsieur. Il commence déjà ses incantations. Allez. Non. Ça Jibi non. A commencé avec lui. Le combat n'a même pas encore commencé, mais ouais. Il a commencé. Ouais. Il fallait laisser Apostolo de faire ses incantations. Il n'a pas accordé la chance à Apostolo de faire ses incantations. Non, ça c'est pas encouragé. C'est ça même la double V. Oui. Oh, non. Il catch comme les Américains. Oui, comme oui. Les Américains. Non. Voilà maintenant les Américains. Il devait laisser Apostolo. Apostolo. Apostolo qui vient d'entrer. La chèvre est en train de chômer. Oh, oui, la chèvre de M. Apostolo est en train de chômer. Oui. Steve Bandanda, les combats commencent très mal. Le combat commence très très mal. Avant moitié poste le temps. Il y a
mesdemoiselles et messieurs, le champion Bobo l'assure. Non, Postolo a avalé. Postolo, Baba Café, l'arbitre. Il fait tomber Jibik. Jibik maintenant a reçu. Il en a eu pour son compte. Le vieux Kamwamba. Ouais, il en a eu pour son compte. Postolo. Postolo qui n'a pas été évoqué. Il est déterminé. Ah, il est là, Mbouyo Baka. Ok, c'est ça le problème. Oui, oui, bon, Atapa tapara il est temps. Donc, j'ai vu qu'il va l'empique à voir dans la tchokotona, ça y est, j'ai rien dit. Oui, parce qu'il a, il a commencé le combat très mal. Il est. Il a reçu Postolo très mal, alors qu'il fallait laisser le temps à Postolo de faire ses incantations. Ouais, il lui a pas accordé cette chance, mais Postolo est en train de travailler techniquement. Un coup de genou. C'est la mort du vieux Kamwamba. Ouais. Le vieux Jean a reçu un coup de genou. Postolo se dandine sur le ring. Chibasu Piana est en train de tirer ça. Chibasu Fiston. Là, on nous connaît Julie Zakamo, les gars, ni Mbouchika, ni Kondolo. Est-ce qu'il va aller comme Pouakisha Moto? Ça veut dire Pouakisha Wakale, les parents, il est fort, moi, moi. Bon, c'est possible, hein, c'était possible. L'histoire peut se répéter. Oui, oui. Oui, ça peut se répéter. Regardez Postolo qui est maîtrisé par Jibik. Il faut rappeler que c'est Postolo Junior, le fils à Postolo Abaka Senior. Il est tiré. C'est Jibik qui a tiré très fortement. C'est une soumission. Coup de genou. Postolo est tombé. Jibik, le roi des manchettes. Jibik il est dans ses œuvres. Il avait gagné quand même son père au stade Mobutu de la Kenya. Et quand il a gagné, c'est son fils qui est venu pour se venger. Et comme vous le voyez, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi, le combat se poursuit entre Postolo et Jibik wa Mwaka Jinga. Pour combattre la Mbwaka, mon colonel Kambili Songa wa Mama Bibis du 2 janvier Saint-Benoît. Oui, il ne faut pas oublier le commandant Juma de la PCR. Oui, Motari à propre. Il est venu Kamunga, Motari à propre et à gentil. Elle a mis des waras. Il est courtois. Ah là, dans les ring, là, c'est la catastrophe. Hein. Je suis devant la catastrophe. Ah, regardez Postolo, il est au coin du ring. Ah, Jibik qui est en train de le couper en deux. C'est la première partie de ce combat. À un moment donné, il y aura des sacrifices de volailles. Hein. Avec et de volailles et de bestiaux. Oui, souvent. Biote Bikwamo, donc Oumou Moutakwa Biote Léo. Oulembeleli Postolo. Bekona Katampe pour que le vieux Samba. Champion Bobola. Oui, champion Bobola assure, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi. Ton vieux est en train de tuer un petit. Et là, il monte. Ah, il monte sur la partie de Postolo. Ah, c'est compliqué. Postolo en difficulté. Il n'est pas de son âge. Ouais, il n'est pas vraiment de son âge. Ouais. Coup à la tête. Ah, Postolo est tombé. Les coups de poing de Jibik sont des coups dévastateurs. Ah, c'est compliqué. Encore. Oui, mesdames et messieurs, le patron de la frappe assure. Il continue à travailler Postolo Babaka. Ça sera un tombé. Attention. Non, dégagement de Mbouyi. Postolo Junior, l'homme de Mwankwadi. Allez, non. Il donne un coup dans le vide. Aka. C'est un étonnement, non. Les vieux gens ne tombent pas. Troisième fois, pour la troisième fois. Coup de machette, non. Sont chassés. Postolo est tombé. Papa Kamwamba a réussi à faire tomber. Postolo Chini, Postolo! Arbitre Chimotchetan, Jibika Chimotchetan! Moufal Maba Mouchetan! Non, c'est déloyal ça! Lorsque quelqu'un touche la corde, il faut laisser. Il faut même laisser le combat pour. Abandonner le combat pour un temps. Et voilà, aujourd'hui la discipline est assurée ici. Hein. Oui, oui. Plus question de. Les voyous sont maîtrisés. Ah, ils sont maîtrisés par les catcheurs. Oui. Non. Dans les rings, c'est la catastrophe. Ah non. Et ça non. Ça non. Ça brise tout et ça coupe le souffle. C'est un petit peu déloyal de poser ce geste-là. Même le père de Postolo qui est en quad, il n'est pas content de ce comportement. Oui. Postolo est rentré. Et Samara qui le renvoie la croix. Oui. Il va faire ses incantations. Aka.
Il appelle son papa. Il rentre maintenant avec l'esprit de Mankwadi. Voilà, Postolo qui retourne. Qui retourne. En pleine gloire, il est en pleine gloire. Ah, c'est encore la technique. On nous retourne encore dans la technique. Ah, c'est Jibik. Un coup, Postolo est au même falmé. Postolo en difficulté, mesdames et messieurs. Ambujimaï, les gens ne sont pas contents quand ils voient ce combat. Ici, nous sommes à Lubumbashi, Wantanchi. Postolo va casser un visiteur. Il est en train de subir la loi qui dit Sheria Yamugeni, Nikupigwa. Bon, attendons voir. Non. Ah non. Cette prise n'a pas bien fonctionné. Samara est en train de s'approcher. Mais Jibik s'est décidé d'achever Postolo Abaka aujourd'hui. C'est le Pédigri. Ah, Pédigri. Cet enfant va mourir. Ouais, c'est le Pédigri, mesdames et messieurs. Postolo. Ah non, ça fait mal à la poitrine. Si Mandanda, regardez la catastrophe dans le ring. La catastrophe, bienvenue Kamunga Mufalme. Fiston Chiba Sumpian, attention. Eh non. Ah, Postolo la catale, le mouvement coudé manset. Sibikichini, my god. Public yote yulu, combat boutam. Postolo Aba Kambouyi a donné un coup de manchette à Jibik. Ouais. Et Jibik, ces derniers temps, est en train de crever. Et c'est Postolo qui assure. Ah, il est en train de crever. Il y a déjà une enveloppe. L'honorable est venu avec l'enveloppe. Oui, oui, il est venu avec une enveloppe pour donner à Postolo Junior parce que lui se rappelle de son père et il était ami de son papa. Voilà. Mesdames et messieurs, Postolo, il est en train de faire la cadence à la manière de son père, Mande Dingwe. Ah, Jibik, qu'il arrête un tout petit peu. Non, c'est quoi ça? Il va tenter encore de pratiquer. Coup de genou. Mais apparemment, Postolo Abaka est en train de distraire Jibik. Hein. Il lui a déjà réservé, effectivement. Bon, chacun ses objets, chacun ses effets. Encore un coup, Siv. Encore un coup qui prépare là-bas. Oui, attention, Pkintu. Postolo à la mesa. À l'arrière, Aka. Hey, mame. Voilà la beba. Ça fait plaisir au public qui est ici. Ça fait également plaisir aux téléspectateurs qui suivent ce combat. Ah, il a pris sa machette. Ça commence, ça devient chaud. Ouais, c'est une poule. Une poule apportée par Moulos. Oui. Loubari, le sorcier du ring. Apparemment, Jibik, non, pour se lever, lui a arraché sa poule. Ah, beaucoup de concentration. Postolo qui a besoin de prendre cette poule. Ah, il appelle son père. Ah, il est en pleine cadence. C'est quoi ça? Il veut lui ravir sa poule. Dans le coup, il m'a dit Steve, Mboka, c'est tout ça. Trois jours. Ah, Mimbala, gata gadre, c'est trop bien que vous m'embellez, c'est ta juma. Voilà où les postes là récupèrent un coucou à Jibik à la Katakichua. Attention! Anamuzungulu sa kukichua kia Jibik. Anaza kutuma Jibik à Kumusala va apostolo. Oui, c'est fait la croix. C'est fait la croix, mesdames et messieurs. Ah, j'ai ça, c'est. Mais ça, c'est pas la première fois parce que Jibik a déjà été à la croix l'autre fois. Oui. Mais il était sorti. Il était sorti. Ah, levé comme en bas Jibik. Et en perte de vitesse. Il avance, non, il voulait récupérer ses esprits, mais il va se déserver la croix. Au rythme de Mankwadi, et cette danse-là, ça appartenait à son père, voilà le fils, ce qui est en moi et aussi en lui. Voilà, regardez-moi la danse de Postolo Abaka sous l'oreille de Chiba Sumpian à fiston. Jibik est en train d'être crucifié. Donc il a fait un saut chassé à la croix. Oui. Non. Allez. Ah, Postolo c'est est tombé. Il avait fait aussi à son papa. Oui. Postolo. Ah, il tombe avec la poule de Jibik. Ah, Jibik, il attend au tournant. C'est quoi ça? Il a des réveils double. Oui. Ah, double qui doit nécessairement.
Double vient de se relever avec la croix. La croix, oui. Malheureusement, heureusement, la croix n'est pas endommagée. Oui. Ah, c'est un comptage. 10, 7. Ah non, l'homme fait bien, il a les plus d'esprit. Il se relève, c'est difficile de gagner Jibik dans de telles conditions parce que le combat a été préparé sérieusement. Les deux catcheurs ont préparé chacun dans son coin. Ils ont amené des volailles, des bestiaux et tout ce que vous connaissez. Et il a porté son sac. Oui, c'est le porte, ça, donc le combat n'est pas facile. Et il y a eu une peau. Ah, deux autres volailles. Ah, deux autres volailles. Deux autres volailles, mesdames et messieurs. C'est le vieux Jean. Le vieux Jean qui va utiliser, qui va sacrifier deux volailles. Il va les égorger. Attention, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi, vous suivez. Ah, il a jeté sur le combat de géants. Il a jeté la poule sur Postolo. Oui, la première. Oui. Ou la deuxième parce qu'il y avait une poule blanche. Ah, j'ai vu qu'on connaît très bien pratiquer sa superstition. Oui. Allez, ça sera la fin. Hein. Mais la chèvre de M. Postolo n'a pas été utilisée. Ça sera utilisé. Et la statuette. Bientôt là. Ah, il tombe. Allez. Il tombe. Un, deux. Mais celui qui a commencé avant, c'est Jibik. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Allez. Postolo vient de se relever. Ça s'annonce mal, hein, parce que Jibik peut perdre ce combat. Ouais. Et il demande à la chef de M. Postolo. Oui, M. Postolo, bienvenue Kamunga. Joël Miranda Kusema Bikungufu. Bamouine Postolo Naoule Mbujiwa Kiamulari. Postolo Nakatala Lalamuka. Il appelle son Samba. Père. Il appelle son père, mesdames et messieurs. En quoi dit ça devient chaud. Et Jibik, il est bien à mode de léopard. Et à mode de léopard. C'est compliqué, Postolo qui a sa chèvre ou son mouton. Ah. Il est en train de pleurer, ouais, ouais. En train d'appeler son papa, oui. Qui dort encore en quadi. Oui, attention, Jibik va tomber. On a ravi la chèvre. Ah, il a ravi ça, il va utiliser la même chèvre. Attention, attention, ça tend vers la victoire de Jibik, ça. Ça sent la victoire de Jibik. Ah, Jibik qui vient de dégorger. Il va jeter. Ah, il jette ça sur Postolo. Et ça sera peut-être 1, 2, 3, 4, 5. La chèvre en train de saigner. 6. Attention. 7. 8. 9 et enfin 10. Victoire de Jibik toujours. Ah, Manalouk est venu embrouiller même le catcheur du Kassai. Ouais. Victoire de Jibik. Victoire de Jibik, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi, les vieux gens, le chrétien catholique, le donc, patron de la flamme, le Gemelipar vient de gagner. Ouais, c'est la victoire de Jibik. Victoire à Jibik, victoire à Jibik. En tout cas, victoire méritée, victoire méritée. Quand la ville arrive, il faut que je me numéro à Keile. On a quand même Kumeba Ushindi. Attention, les jeux de pierre ici, ça devient chaud. Et les fans ne sont pas contents. Et les projectiles sont en train d'être lancés ici, mesdames et messieurs. Il faut être souple avec Tiba Sumpiana Fiston. Balanza Maï. Mais les fans, les fanatiques de Postolo Babaka ne sont pas contents. Ils sont en train de nous lancer des projectiles alors qu'il faut être fair play. Au début, on avait dit au début qu'il ne fallait pas se comporter ainsi. Mais ils se sont permis de faire ce désordre. Les pierres sont en train d'être lancées. Bon, c'est grave. Hein. S'il faut revenir. Un jeu de projectiles, bienvenue. S'il faut revenir dans les rings, c'est. Et ce Postolo, oui. Qui sera réveillé par. Il est en train d'être réveillé par les catcheurs du Kassai. Oui.
nous allons nous approcher. Mais qu'est-ce qui fait que Kombouchou lui ravire sa poule et puis plutôt sa chèvre? Bon, c'est chèvre. Une démonstration de superstition. Il n'a pas été prudent. Il fallait apporter cette chèvre avec toutes ses conséquences. Mais lui a apporté de manière un peu... D'abord, il était fragilisé. Mm-hmm. Quand la chèvre était arrivée sur le ring, mm-hmm. il a été déstabilisé par Jibik, mm-hmm. superstitieusement. Et c'est cette façon de Jibik de pouvoir déstabiliser Postolo qui l'a conduit effectivement à perdre ce combat. Mais il avait mal commencé déjà parce qu'au début, on l'a maîtrisé avec la frappe, mais il n'a pas démérité Postolo Abaka, il n'a pas démérité, il a catché Jibik malgré lui. Bon voilà, son père n'a pas réussi à gagner Jibik, même lui-même là, il ne pouvait pas vraiment le gagner. Il s'est préparé pour le faire, mais Jibik est supérieur. Il est vraiment supérieur à Postolo Abaka. Jibik devait utiliser ses propres objets ou ses propres animaux. Non, il n'est pas interdit, mm. il n'est pas interdit Bonjour. À quelqu'un de jouer avec les choses de l'adversaire. Parce que tu peux utiliser la même arme. On va prendre des adversaires fanatiques. Hein. Oui, oui. Oui, ceux qui ont suivi les combats. On a déjà combattu. Minji Nango Banita Mbela Maweja 100 jours. Ah, Maweja 100 jours. On a déjà combattu Léo Postolo. Léo, il y a Postolo, on a Jibika. Tunayua boso ni mutoto kiloko. Ni mutoto balazariwa kwenye batoto bote. Jibika ni mtu mkubwa. Atana wine mutoto. Iyo sana wine mutoto wake, anapika mutoto wake. Ashisembele ni anakanyebu champion wa umia. Ni mutoto wake. Iyo sana wewe baba na mutoto kunyumba. Uteza pa, unapika mutoto wako. Atasemi papa, nishifanje, nishikie babangu. Akuna ya kuongeza sawa mie miku ni vode kashamata de raisi ule senateur Kabila. Merci. Unaje kumbere. Merci papa. Sauf que mine kalaka niko na mu merci. Mine kalaka niko na mu soutenir Jibik. Mina toka ku Zambia Forest. Kwa kufata komba ya Jibik na Postolo baba aka. Jibik anapika baba yake ya Postolo baba aka na mupika. Mtoto anasema eko nakuya kwa kulipa ndeni. Asa hapa ndeni inaongezeka au bila diminuwe. Bon, asema Jibik anamuina na numero yake. Il fallait Jibik ajira yake atamuina la mwenza kocha. Anamuina le dawa anamprofite. Jibik ni mtu mkubwa. Jibiki anampika baba yake. Après anakuwa kupika na mtoto anampika deux fois. Merci papa. Merci. Baje komba leo Postolo. Komba leo tunakuya hapa Mufae Katuba. Tua komba leo kufata komba Jibiki mwaka njinga contre Postolo baba aka. Mais tunaona kombi wa leo Postolo kwasha kujiprepare, Jibiki na kwasha kujiprepare. Mais Postolo ni mtoto kiloko. Jibiki ba ancien catcheur. Ala pika toutes les catchers. Ala kombana la bakachere ba nene sana. Aba ni batoto ana mukorije. Mais tunapenda njo kusema tulete kote na bengine ba ongezeke konjo kusema tulete fiorite catch. Ndio komba ya leo mimi naiona mzuri sana parce que depuis ku mwanzo mimi naanza kusema kesema hata bote biko nasema ke no nani Postolo atampika Jibiki. Postolo acha zompika Jibika tashi kumona. Sasa leo babo benyesa bayonesa na mancho parce que Jibika shitilize nini lawa yake. Hii lawa banamwena na Postolo. Ni paka yake mwenyewe. Sasa leo tuko wapi? Jibiki ni champion. Hata twende wapi ni paka champion. Bon, bienvenue Kamunga. Chaque fois mimi watamina kwambia kasema mera sira Jibiki. Unashikia mtu mtatu bobola. Ule Postolo ni petit, ni petit, ni petit. Jibiki reprend dans ta correction bateau tu vas tirer dans les automika. Félicitations belle Jibiki, merci beaucoup. Pardon papa ni sem. Eh bien bien ma fille. Bien ma fille. Eh vous voyez vous dimanche quand il y a un bosol. Eh vous bon bon ma fille. Eh vous voyez tu vois rien qui me tourne tête tout. Vous me tournez ni bon d'avoir rien. Hein qui me tourne tout. Eh vous voyez que tu tournes ni bon d'avoir rien. Ah tu sais bon d'avoir. Hein. Il faudra dire bon d'avoir. Ah eh mais pas très très bon d'avoir on va que tu tournes tête qui me Hein?
Tu as présenté champion de libération. Tu vois, merde, ça m'a semaine passée. Je suis arrivé à Babayaki. À la pique à la Neni. À la pique à la Mantel avec Fox. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va prendre monsieur le président Jibika. Avec Victor à Bongo, Mounawina, à Mouina, à la Waïno. Vous tenez à la Bonzakoji. On a eu à. Il est question à poser, on a posé question bien ça. On a seulement trouvé Nadawa et tout. Oui, Jibik, c'était un grand catcher. Parce que Nadawa est ok. Et puis, mon dessin, tu peux parler bien à mon rapidité. Est-ce que nous devons cacher là? Jibik, c'est un grand catcher. Un grand champion. Jibik, l'année prochaine, tu as fait un jubilé. Toi, tu as fait un coup de pique à sentir. Tu as fait un coup de pique à Jibik. Jibik, tu as fait un coup de chida. Tu as fait un numéro à qui? Ari mura pigita kana mnyama jibiki nini mbuji sina chule mbuji barenda na sina chitu amurekpere hapa jo retour inkuko ya mbuji wetu ah merci beaucoup on a la prochaine jibila jibika ah année prochaine année prochaine itakuwa jibile ya nini ya jibiki tunatafuta champion kumpika kumnyanganya ile masentire kuna met upanga na ria otra mchoka jibiki kumchoka jibiki ni kumpika jo tunasema kwa champion na jibiki mwenye shabaka yeye mwa tuna prepare ba kacher tuna a peu près 4 kacher ku club yangu. Nous avons 4 cachets préparés. Après Jibik, nous avons 4 cachets qui sont en Jibik a été entraîné, mais nous avons 4 cachets qui sont en 4. Président Omari, MC Ntamboué. On a déjà combattu. Bienvenue, cher Donato. Je suis là. Mtoto ngari mtoto sana. Kishima kia veki ngari kirefu sana. Hakuna namuna. Donc, atuyue jiske lani 2028 ou bien 2030. Atuyue ata 2035, atuyue anamuta kumpika vie. Hakuna ulata kumpika vie. Merci. Président. Inapita vie. Mile tu kusema, Jibik tout d'abord ni kacheru munene, kishasha kubeba ma victoire ya mingi. Uyu posto la shiafika mu niveau mwa ya na Jibik apana. Jibik eko na experience ya mingi. Et puis kintu kingine mimi naweza kusema juu ya vile watu wanasema no anamuprofitia anabeba mouton wake alikuwa nayo tout d'abord mu sport muko intelligence na souplesse c'est comme ça pa kupata victoire yote il faut pas utiliser les vitu mbili c'est ce que lui a seulement fait et puis anapata victoire ou sinon victoire ni bia kweli. Merci on va prendre monsieur Jacques Takomba leo Jibik contre Postronage. Bon, après tout d'abord Mama Marichueli ile habitu kanitusa mishina yako d'abord. Puisque huyu alikuwa na mabintu yake, huyu alikuwa na mabintu yake. Sur le ring, on va c'est le celui qui est le plus fort. Njo anapasha kuwina. Puisque huyu alikuwa na manimero yake, huyu na manimero yake. Huyu anatosha bankuku, huyu na anatosha mkoko wake. Paka kisha mon prédécesseur lance ça que non baba yake alimbebaka si c'est tutu c'est ce qui va me repérer baba mkoko. Il y a un nombre de systématiques. Si tu as tout, tu as bien vu. Alors. Pour un tag sportif, on a un aspect technique. Non, aspect technique, en tout cas, tous sont au point. Jibik, techniquement, il est bon. Même aussi le poste aussi, techniquement, il est bon. Mais c'est Jibik qui est le plus fort. Merci beaucoup, monsieur Jacques Onga. Merci beaucoup. Voilà, ce programme. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On était. Ah, il y a un fan qui veut parler ici. Viens. Oui, mutoto Jibik. Mi mutoto maître Apollo. Je vais bien te parler. Mm.
Merci à la fiction, je suis Piana, Steve Mandanda, Mufalme. Bonne suite de programme sur Karl Bumbashi. C'était la fin, n'est-ce pas, de ce show. Jibi contre Postolo. Vous avez vu ce qui s'est passé. Trêve de commentaires.